Salut les amis, c'est Kali et on se retrouve pour la première vidéo que je tourne en 2019. Je vous souhaite à tous une bonne année. J'espère que vous allez me suivre encore nombreux cette année sur tous mes let's play. Je vous promets plein de surprises, j'ai prévu plein de choses. Je vous en parlerai bien sûr en détail dès que j'aurai mis tout au point. Donc n'hésitez pas à partager un maximum mes vidéos, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait. Et vous pouvez me suivre aussi bien sûr sur Facebook. Si vous voulez suivre mon actualité. Et on va commencer tout de suite le nouveau let's play de Spider-Man sur PS4. Ce bon vieux Rhino, un de mes deux Russes préférés. Otto a développé un agent corrosif pour libérer Rhino de sa tenue. Une certaine agence gouvernementale n'y est jamais arrivée. Otto a réussi en deux jours. Vache. Alexei, j'ai suivi votre carrière avec le plus grand intérêt. Le monde vous voit comme une brute épaisse. Moi, je vous considère comme un guerrier avec l'âme d'un poète. Je sais que vous aimeriez quitter la tenue de combat dont vous êtes prisonnier. Aidez-moi à atteindre mon but, et vous serez libre. Bon, en fait, il leur a tendu une carotte à chacun. Si jamais il voulait bien faire partie des Sinister Six, en fait. Alias Scorpion, alias Jojo le Barjo. Jojo le Barjo. C'est un beau pseudo. Bon, a priori, il n'y a que ça. Je n'ai pas l'habitude de dire cela, monsieur Gargan, mais effacer vos dettes de jeu s'est avéré plus compliqué que prévu. Certains de vos créditeurs sont pour le moins intransigeants. Mais... une fois le travail du réservoir terminé, vous serez débarrassé de vos obligations financières illicites. Otto Octavius sait se montrer persuasif. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, il a tendu une carotte à chacun. Pourquoi on peut encore regarder, j'ai loupé un truc ? Ah ouais. Scorpion vient en aide à Otto en échange d'une ardoise propre. Plus de dossier pénal. Plus de dette de jeu. D'accord. Bon, cette fois, j'ai bien tout regardé. Il dormait là, vache. Ce bon vieux Vulture. Je lui ai volé dans les plumes un sacré paquet de fois. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit à lui ? Adrian, quelle triste ironie que vos merveilleuses ailes aient infligé à votre corps une telle infamie. Par chance, vous travaillez maintenant pour moi. Quand nous en aurons terminé, le traitement que j'ai mis au point vous sauvera. Vous n'êtes pas encore débarrassé de l'étreinte de cette vie, mon ami. La source d'énergie des ailes de Vulture a causé un cancer de la moelle épinière. Otto travaille sur un traitement expérimental pour le sauver. Eh ben. Je crois que c'est tout. Electro, le plus grand des disjonctés. Le grand rêve d'Electro est de se transformer en énergie pure. Le Doc a réussi à modifier son harnais pour le rapprocher un peu plus de son but. C'est vrai que pour l'instant, les rencontres que j'ai eues avec, c'était... c'est assez électrique, effectivement. Max, quand vous m'avez fait part de votre rêve,
J'ai d'abord cru que vous étiez complètement fou. De l'énergie pure. Cependant, en me penchant sur la question, j'ai trouvé un moyen d'atteindre nos buts respectifs. Je vous le promets, quand ce sera fini, vous deviendrez énergie pure, ou quelque chose de si proche qu'on ne fera pas la différence. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Il reste une chose là. Qu'avons-nous là? Otto a dû utiliser cette carte pour planifier son coup, mais elle est vierge. À moins que je rate quelque chose. Ampoule UV. Il se passe rien. Il doit y avoir un moyen d'allumer cette lampe. Alors, ça doit être là-haut. Et voilà. Des annotations cachées. Otto a chargé les vilains de détruire les biens d'Oscorp dans toute la ville. Il veut anéantir l'Empire de Norman pièce par pièce. Ok. Que fait Vulture à Times Square? Je ferais mieux de rester sur mes gardes. Electro est chargé des centrales électriques d'Oscorp. Logique. Ouais, logique. Rhino vise les propriétés d'Oscorp sur la côte. Par laquelle il va commencer? Et pourquoi? La dernière étape du plan semble être un assaut direct sur Oscorp. Et spécialement Norman, j'imagine. Scorpion doit chercher à contaminer le réservoir de la ville. Encore une propriété d'Oscorp. Lié recherche le sérum du souffle du diable. Avec quelque chose appelé Icarus. Eh ben, ça en fait des choses. Un genre de valise là-haut que j'ai loupé. Moi j'ai pu la louper. C'est ça. Ah d'accord. C'est parce que c'était pas encore dans le script. Bonjour Spider-Man. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter. Je suis Otto Octavius. Y a pas d'Icarus, c'est ça? Non. Martin n'a besoin d'aucune aide pour s'emparer du sérum. Icarus était un leurre pour t'amener où nous le voulions. Où vous le vouliez? Hein? Je te dépose. Ça fait du bien de travailler pour quelqu'un comme Octavius. Il a des plans de secours pour ses plans de secours. Peter, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Vive les transports. Écoute, Lyon a un prêt d'antisérum. Il faut qu'on trouve le laboratoire secret du souffle du diable avant lui. Je suis sur le coup. Je passe en revue tous les permis de construire de la ville. Si le labo est enregistré, je le trouverai. Génial. Ok, à bientôt, MJ. Il s'en est tiré. Mais pas indemne. Passe au plan B. Bon, bah, je crois que je vais devoir me battre contre deux. T'en es presque la larme à l'œil, Electro. Ça se voit que t'as grandi en prison, non? Je dois m'approcher pour lui mettre une raclée. Je peux le blesser en tirant une toile sur le transformateur.
ça pique. V, lance-toi. Adrien, c'est moi, Spider-Man. Mais qu'est-ce que tu racontes? Personne ne prend mes références. On a de vieux comptes à régler, avortons. Ouais, t'as raison. On n'est pas dans une relation d'échange et de compromis? Ah mince, j'étais tellement à côté de la blague. Putain, j'ai les deux à combattre. C'est juste un coup de chance. Je vais te briser. Ouais, bravo! Ah, pour une fois que quelqu'un comprend mes références, je n'ai plus envie de me battre. Je vous le dis franchement, je préférais quand vous étiez en solo. Eh ben, je me tape les deux en même temps. On s'en porte bien pour l'instant. Oh Max, tu m'as tellement manqué. En tout cas, tu sais toujours pas viser. Reste tranquille. Pas si vite. Fais gaffe où tu vises. Et de deux. Ah ouais. Alors, lequel je vais tuer en premier? Bon, je crois que Electro est KO. Un au tapis, un encore debout. Allez, le retour. Combien de fois cette petite danse, Adrien? Une dizaine? Une vingtaine? Beaucoup trop de fois. Ce soir, ce sera ta dernière valse. Ah, tu ne le referas pas. Ah.
Non, non. Bon, je crois que j'ai eu les deux. Electro a été mis à terre. Spider-Man, je présume. Si tu tenais vraiment à cette ville comme tu le prétends, tu m'aiderais à prouver qu'Osborn n'est qu'un vulgaire criminel. En tuant des gens innocents ? J'aurais rétabli le courant. Vous êtes malade, vous avez besoin d'aide. J'ai toute l'aide qu'il me faut. Et nous n'arrêterons que quand Norman aura eu ce qu'il mérite. Déteste quand ils font équipe. J'ai besoin de souffler un peu. Oh, quelle heure est... Oh non. Faut que je prévienne Yuri. Yuri, plus de 4. Vulture et Electro sont KO. J'ai vu ça. J'ai aussi remarqué qu'un toit a explosé à Times Square. Est-ce qu'il y aurait un rapport ? Rien ne vous échappe. C'était la base d'opération d'Octavius. Il se sert des autres pour démanteler Oscorp. Vulture et Electro visaient les centrales électriques. Scorpion va s'en prendre au traitement des eaux. Rhino, pas encore sûr, mais ça se passe sur la côte. C'est déjà un bon début. J'imagine que vous allez vous occuper de Scorpion ? Ouais. La ville est déjà bien atteinte. Si on perd l'eau potable, elle risque de pas s'en remettre. Je vous ferai signe quand j'aurai du nouveau. Ok, on fait comme ça. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager un maximum sur vos réseaux sociaux pour m'aider à me faire connaître. Et surtout, abonnez-vous. Une fois que vous serez abonné, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour rater aucun de mes contenus. A bientôt les amis.